Cet après-midi, des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant le ministère de l'Intérieur avec un message bien précis, que celui qu'ils appellent le dictateur s'en aille enfin. Vas-y, papa, tu nous prends la télé en otage, là. C'est quoi ce ton-là? C'est historique. C'est historique. Sarah, vas-y, viens. Arrête. Dans ton pays, les gens, ils mangent quoi? Concombre, harissa. Point barre, rien de... Attends, c'est pas mon pays. Surtout les filles qui t'intéressent, je te connais. Tu veux rentrer? Non, mais il y a déjà beaucoup de monde, je suis désolée. Franchement, la night à Paris, c'est fini, hein. Est-ce que survoler la presse ce matin? Pourquoi tu m'as pas dit que tu faisais des manifs? Mais c'est pas des manifs, c'est juste comme ça pour... La révolution, c'est quand les filles, elles sont tellement contentes, tout devient possible. Mais je m'implique, je travaille, je vais dans des associations. C'était fou l'énergie que t'avais, quoi. C'est incroyable. C'est ça la révolution. Il se passe des choses terribles. C'est pas pour les enfants, quoi, tu vois. Tu sais ce qu'il faut que tu retiennes, Marwan? C'est qu'en fait, maintenant, le monde arabe a un devoir. Et ce devoir, c'est de rêver l'avenir de l'exaucé. Tout le monde parle de printemps arabe, mais pour toi, c'est le printemps de la bite.